Mais maman, je te rappelle que le piano, mais ça me branche pas du tout. Mon pauvre chéri, jusqu'à ta majorité, c'est moi qui commande. Et de toute façon, il faut bien que tu comprennes que tout ce que ta maman décide, c'est forcément pour ton bien. Même si aujourd'hui tu ne le comprends pas. Alors j'ai compris. Même si j'ai pas envie de faire de piano, il faut que j'apprenne, c'est ça? C'est ça. Génial. Mais tu sais, Vincent, c'est très sympa le piano. Ah ouais? Tu pourras jouer tous les tubes à tes copines. Oui, enfin, je préfère la guitare quand même. Parce que transporter le piano, c'est pas terrible, tu vois. Vincent, de toute façon, ton grand-père jouait du piano. Ton père jouait du piano. Alors toi, tu vas apprendre le piano et je te prie de croire que mon petit-fils aussi jouera du piano. Mais maman, réfléchis un peu, d'accord? Bon, la batterie, ça fait beaucoup de bruit, je te l'accorde. Mais la guitare, c'est toute ma vie? La guitare, c'est un instrument de sauvage. Il est hors de question que mon fils finisse chevelu, en train de gratter et en plus drogué. Mais non, c'est pas parce que je vais faire de la guitare parce que je vais me droguer. Je ne veux pas que tu deviennes dingue. Dingue? C'est rigolo. Elle, au moins, elle me comprend. Vincent, la discussion est close. Oh, chose. Voilà comment on réussit à déprimer un adolescent en lui décrivant un monde de dingue et de drogué. Alors que lui, au départ, trouvait la vie merveilleuse. Vincent, ce sera le piano et rien d'autre. Moi, j'aimerais bien faire du piano. Mais oui, ma chérie, mais tu en feras du piano. Un jour ou l'autre, on verra, d'accord? Elle a de la chance, elle. Bon, maintenant que ce petit problème est réglé, je te rappelle que ton premier cours de piano sera samedi à 8h. Super, j'espère que je me casserai une main en attendant. Bon, les filles, aller au supermarché faire les courses, sinon je réponds plus de moi. Ah, super, le supermarché. Ah, formidable, le supermarché. Bon, ma chérie, je reviens tout de suite, sois sage. Et n'oublie pas de m'acheter un jouet. Ah, ok, promis. Tout de suite. Allez, soyez sage, à tout à l'heure. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je me brosse les dents, ça se voit pas? Allô, Stéphanie? Ouais, c'est moi, ouais. Je t'appelle pour te dire que c'est noyé pour samedi. Ouais, j'ai mon cours de piano. Salut, Marc. Ah, salut. Tu travailles? Bah ouais, j'ai un boulot dingue, là. Je fais mes comptes, et c'est pas brillant. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui arrive à tout le monde en ce moment. La faillite. T'as des problèmes d'argent? Plus que ça. Je dois 50 000 francs à ma banque, 30 000 francs à une vieille tante et 5 000 francs à Gérard. Comment est-ce que t'as pu faire pour emprunter tant d'argent? C'est facile, en leur demandant. J'ai fait une bêtise, Daniel. Une énorme bêtise. Quelle bêtise? Oh, je veux pas t'ennuyer avec ça. T'es mon ami. Si, Marc, ouais. Je suis ton ami. Et mon ami, on est amis, quoi. Alors, tu peux tout me dire. Alors, quelle bêtise. Quand j'y repense, c'est vraiment débile. Je me demande même comment j'ai pu me laisser avoir. Mais bon, comme c'était un de tes amis, l'ordaque, je me suis dit, c'est pas la peine de se méfier. Les amis de tes amis, c'est mes amis. Donc attends, on est amis, attends, tu Marc, vois. Marc, c'est qui l'ornaque? Le type que tu m'as présenté l'autre jour au studio. Tu te rappelles, il avait l'air d'un abruti. Je me suis dit, bon... Daniel a l'air de bien le connaître. Attends, Marc. J'ai jamais dit que je le connaissais bien. C'est toi qui me l'as présenté, non? Ben oui, parce qu'il s'est trouvé là, au studio, par hasard. C'est un type qui travaille dans une agence de pub et on se croise de temps en temps, c'est tout. Alors là, bravo! Alors là, je dis bravo! Mais qu'est-ce que j'ai fait, Marc? Non, mais tu te rends pas compte, t'aurais pas pu me dire ça avant. Marc, je ne t'ai rien dit. Comment ça, tu m'as rien dit? Tu m'as pas dit... Marc, je te présente Bernard Lornac. Oui. Et tu m'as pas dit que c'était un de tes amis intimes, peut-être? Non, Marc, j'ai jamais dit que c'était un de mes amis intimes. Oui, mais tu m'as pas dit non plus que c'était pas un de tes amis intimes. Et là, c'est toute la différence. Si tu me l'avais dit, ben, je me serais méfié. J'aurais pas donné toute ma confiance. Ta confiance sur quoi? Mais sur l'affaire immobilière extraordinaire qu'il m'a proposée. T'imagines? Doubler la mise en 6 mois, 50% d'intérêt. Moi, je me suis dit... Puisque c'est un des amis de Daniel, ne nous méfions pas. Et hop, mon argent, paf, disparu. Il a disparu avec ton argent? Oui. 85 000 francs. 50 000 francs à la banque, 30 000 francs à ma vieille tante et 5 000 francs à Gérard. Marc, pourquoi tu m'en as pas parlé avant?
Parce que pour une fois, je voulais me débrouiller tout seul. J'en ai assez, moi, de vivre à tes crochets. C'est vrai, Daniel, moi je vais gagner de l'argent pour pouvoir rembourser toutes ces années où tu n'as pas arrêté de m'entretenir. Marc, il n'y a pas de problème, hein? Bon, évidemment, pour toi, il n'y a pas de problème. T'es tellement égoïste. Mais pour moi, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que chaque centime que je dépense est un centime qui sort de ta poche et pas de la mienne? Que tout ce que je m'achète, c'est avec ton argent que je l'achète. Et que moi, j'ai rien. Rien du tout. Marc, rien. Ne dis pas des choses comme ça, s'il te plaît. Mais si, je l'ai dit, Daniel, parce que c'est la vérité. Qu'il faut toujours regarder la vérité en face. Bon, écoute, Marc, c'est très bien de ta part de te poser tous ces problèmes. Mais tout va bien. Tu traverses une mauvaise passe, c'est tout. Tout va s'arranger. Ah oui, tu crois? Dès que t'as fini ton roman, ça va être un grand succès, tu verras. C'est vrai que quand mon roman va sortir, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Oh, le roman, ça va être le... Ouais. Donc, tu es content maintenant? Ça va mieux? Bah non, ça va pas. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je dois toujours 85 000 francs à ma banque, cette blague. Marc, on va se débrouiller. Bah, t'es optimiste, toi. Tiens. Voilà déjà 5 000. Et pour le reste, je vais voir ce que je peux faire, ok? Bien sûr. C'est vrai que ma vieille tante peut attendre. Elle a plus que quelques années à vivre. Et encore des semaines. Mon banquier aussi peut attendre. Pas grave, il a toute la vie pour m'envoyer en prison. Il a donné l'argent à pauvre Gérard. Ok, Marc. Je vais te faire 2 chèques. Et je me débrouillerai avec mon banquier. Je ne comprends pas pourquoi Claire insiste pour que Vincent fasse du piano alors qu'il n'aime pas ça. Écoute, tu connais ses grandes théories sur l'éducation. Non, en plus avec elle, on ne peut pas discuter, elle veut toujours avoir raison. Oui, mais enfin, c'est dommage, il va faire un très mauvais pianiste alors qu'il pourrait faire un très bon batteur. Eh oui, Magali, mais qu'est-ce que tu veux? C'est son fils, on ne peut pas l'éduquer à sa place. Moi, c'est pareil. Je voulais faire du piano, mais ma mère ne veut pas. Ah, tu l'as entendu. Mais c'est pas que je veux pas, chérie, mais tu n'as pas le temps. Et voilà, là, tu la frustres. Écoute, Magali, je sais encore ce que je fais avec ma fille. Non, c'est pas possible, il y a déjà l'école, la danse, ça va, là. Bon, d'accord. Mais si je ne commence pas maintenant, je serai jamais une vedette. Tu veux être une vedette? Ben oui. Bah, je croyais que tu voulais être infirmière. Oui, mais maintenant que je sais écrire, je préfère être une vedette. Attends, ma chérie, quel est le rapport avec le fait que tu saches écrire? Bah, comme ça, je pourrais signer des autographes. Tu sais, ma chérie, tu as bien le temps pour être une vedette. C'est pas vrai. Vanessa Paradis, elle a commencé très jeune. Bon, écoute, Wendy, en attendant, tu vas te contenter d'aller bien sagement à l'école et on verra après, d'accord? Oui, mais je m'ennuie à l'école. Mais non, ma puce, tu vas voir, ça va devenir de plus en plus intéressant et de plus en plus drôle. Et voilà, je comprends pourquoi les rêves d'enfants s'écroulent. C'est en leur disant des trucs comme ça. Oh, ça va, toi, t'en mêles pas, c'est déjà suffisamment dur. Voilà, Marc, on est arrivé. C'est pas parce que tu es de mauvaise humeur qu'il faut avoir cette attitude totalement impolie. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais tu viens de fermer la porte au nez de Marc. Eh ben, excuse-moi. C'est pas incroyable, ça. Ah, Marc. J'ai oublié. Allez, entrez, Marc. Venez. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, Claire. C'est pas grave. Bonjour, les filles. Salut. Bonjour. Je mets où? Eh ben, posez-les là. Voilà. C'est très gentil à vous. Ah, c'est normal. Je n'allais pas laisser une faible femme porter un paquet si lourd. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Un synthétiseur. J'ai rencontré Marc dans l'ascenseur. Il m'a aidé à le porter. C'est gentil, non? Tu lui as acheté un synthé? Waouh, génial. T'as de la chance, Vincent. Un nouveau synthé. Ouais, tu parles, c'est ça le truc italien, là. Je vais encore passer pour un naze aux yeux de tous mes amis. Vincent, pour le travail de base, c'est exactement la même chose. De toute manière, il n'y a pas la place ici pour un piano. Dans la chambre, ça peut se mettre, un piano? Oui, dans sa chambre. Aïe.
Ah, ah ben oui, c'est vrai, c'est trop petit. Ben, je vais vous aider à déballer le paquet. Oh non, Marc, vous savez, c'est très gentil, mais on va se débrouiller toute seule. Non, mais c'est mieux, c'est fragile, il faut mieux que je le fasse moi-même. Mais non, ah, c'est vrai, pour vous, un mode d'emploi, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, bon ben justement, on va le faire. Vous savez que j'ai récupéré ma nouvelle voiture. Alors si vous voulez, je peux vous emmener faire un tour. Vous allez voir, elle est comme vous. Elle est sublime. Oh Gérard, la nouvelle voiture de Marc est absolument époustouflante. Oh, je l'ai vu ce matin arriver au volant, les cheveux dans le vent. On aurait dit James Dean. Non Gérard, ne dites pas ça. Imaginez qu'il finisse comme lui. Pas de bêtises, madame Bellefeuille. Marc est un garçon très prudent. Puis de toute façon, c'est pas une vedette de cinéma, alors on risque rien. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais il est tellement mignon. Et moi, je trouve que toute cette tôle rouge autour de Marc affirme sa virilité. Mais peut-être. Moi, je trouve que ça le rajeunit. Regardez, c'est un nouveau modèle. C'est chouette, non? Vous croyez qu'il va la reprendre cet après-midi? Écoutez, madame Bellefeuille, il n'a pas arrêté de le faire ce matin. Je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait cet après-midi. Hmm? Comme il le dit, ça lui fait prendre l'air à la voiture. Oh, Gérard, vous savez ce que je vais faire? Non. Eh bien, je vais aller dans la rue, je vais le guetter. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va m'inviter à faire un tour en voiture. Oh là là, vous avez raison, madame Bellefeuille. Allez surveiller votre petit Marc. Puis faites-vous prendre en photo avec lui. Sur votre table de chevet, ce serait magnifique. Vous avez raison, quelle bonne idée. Une photo de Marc dans sa décapotable rouge. Oh, ça me ferait faire des rêves exquis. Oh, j'y cours, Gérard. Courez, madame Bellefeuille, courez. Oh, ça va pas assez vite, je vais plutôt prendre l'escalier. Oh, madame Bellefeuille, quelle femme charmante, si adorable, si pleine d'attention pour tout le monde. Ben, à bientôt. Au revoir. Salut, Gérard. Bonjour, Daniel. Tu vas faire un peu de sport? Non, c'est toi que je venais voir. Moi? Mais pourquoi? Ben, écoute, Gérard, je suis vraiment désolé pour Marc. Il m'avait rien dit pour les 5000 francs. Sinon, je te les aurais bien rendus avant. Alors, tu m'excuses? Enfin, Daniel, quels 5000 francs? Ben, ceux qui t'avaient emprunté. Mais écoute, Daniel, je te comprends pas, moi. Marc m'a jamais emprunté 5000 francs. Où je les aurais trouvés 5000 francs, je sais pas. Tu n'as pas prêté 5000 francs à Marc? Mais non, je t'assure, je peux pas te les inventer quand même. Pourquoi est-ce qu'on m'a raconté ça? Oh ben je sais pas, moi. Tu sais, il a dû confondre avec quelqu'un d'autre. Il faut bien dire une chose, avec sa nouvelle voiture décapotable, il prend tellement d'air dans le visage, ça le perturbe. Ça quoi? Sa nouvelle voiture décapotable. Sa nouvelle voiture décapotable. Un petit coupé sport, rouge pétard, une merveille. Rouge pétard. T'aimes bien toi aussi? Ah écoute, quand j'ai vu Marc au volant, les cheveux dans le vent, il a dit James Dean. Moi je sais qu'il m'aurait pas fallu beaucoup pour que... Enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Enfin non, je vois pas genre. Tu es sûr que Marc a une nouvelle voiture? Décapotable, rouge pétard. Mais écoute, Daniel, tu m'offusques là. Tu vas même me vexer si je te le dis, c'est que c'est vrai. Non, mais ça coûte très cher, ça, n'est-ce pas, Gérard? Mais j'en sais rien, mais j'ai un vélo, tu sais. En tout cas, le concessionnaire était très chouette. Il lui a repris son ancienne 105 000 francs. Il lui a demandé 85 000 francs pour l'autre, pour la nouvelle. 85 000 francs? Ça tombe bien, Gérard. Enfin, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses tomber. Oh, non, non, je reviens, Gérard. Je vais juste régler un petit truc. Oh, Daniel, en soi, bizarre, hein, vraiment. Trop, c'est trop. Il va m'entendre, celui-là. Il va m'entendre. Ah, salut, Daniel. Salut. T'as de la chance de pouvoir rester assis à rien faire, toi. Ah. Daniel. Oui. Je viens de marquer des points avec Magali. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je les ai emmenés faire un tour dans ma voiture. Ah, tu peux pas savoir l'effet que ça leur a fait. Je crois qu'elles ont été épatées, là. Épatées, c'est le mot. Ta voiture? Parlons-en. Ta voiture et ta nouvelle voiture. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de t'en parler. Hey. C'est vrai, je suis idiot. Ma nouvelle voiture. Comment tu le sais? Ben, c'est Gérard qui m'en a parlé. Ah, Gérard. Ouais, j'ai même appris qu'elle t'avait coûté 85 000 francs.
plus ton ancienne voiture qu'on a payé 150 000 francs il y a 2 mois. Oh, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais non, Marc, pas du tout. Je trouve ça normal, tout le monde peut se payer 2 voitures en 2 mois. Oh, excuse-moi, Daniel. Bon, j'ai un peu abusé, mais tu vois, j'étais déprimé. J'avais tous ces problèmes d'argent, alors je me suis dit... J'ai dû perdre la tête, quoi. Ces 85 000 francs que t'avais besoin ce matin, c'était pourquoi? Bon, c'est vrai, c'était pour ma nouvelle voiture. Et moi, qui m'apitoyais sur ton sort. Mais je t'ai pas menti, Daniel. J'avais déjà signé le bon de commande. Alors, tu vois... Marc, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit la vérité au lieu d'inventer toutes ces histoires, tous ces mensonges sur ta vieille tante, sur Gérard, sur ton banquier? Mais parce que si je t'avais dit la vérité, Daniel, tu m'aurais jamais donné l'argent pour la voiture, tu comprends? Mais Marc, tu es devenu complètement fou ou quoi? Tu sais comment ça s'appelle ce que t'as fait là? Non. L'escroquerie. Ah. Escroquerie. Ça y est, Daniel. Je suis devenu un escroc. Bon, d'accord, je suis un escroc. Mais à cause de qui? À cause de toi. À cause de moi. Mais bien sûr, Daniel. Pourquoi j'en suis arrivé là? Qui m'empêche de vivre? Qui m'empêche d'écrire? Moi, je t'empêche d'écrire. Bien sûr. En me fournissant un confort qui me stérilise. Je te fournis un confort qui te stérilise. Oui. Je suis désolé de te le dire, Daniel. Mais c'est moi qui souffre le plus. Très bien, Marc. Très bien. C'est une belle scène d'émotion, ça ferait que je pense à l'écrire pour mon roman. Daniel? Daniel? Ah, il est joueur. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Pas en voyage? Non. C'est toi qui pars, Marc, c'est toi qui pars. Moi, je pars en voyage? Ouais. Loin d'ici. Tu vas mettre tes affaires là-dedans et tu vas partir. Je veux plus te voir. Cette fois-ci, c'est définitif. Wendy, joue-moi fort, s'il te plaît. Non, c'est pas toi que je parlais, Stéphanie, non. Ah non, c'est pas moi qui joue du piano, là, puisque je te parle. Parle plus fort, là, je t'entends pas. Quoi? C'est très bien, mon chéri, continue comme ça. Excuse-moi, Stéphanie, je te rappellerai. Oui, bon, ciao. Tu veux que je te laisse ta place? Ah non, 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 continue, je te regarde. Tu vois bien, chérie, tu as déjà fait des progrès. C'était pas la peine de me faire cette comédie. Oui, t'as raison, le piano, c'est si génial. T'as dit Claire, c'est moi qui jouais. Vincent, lui, il était en train de téléphoner à Stéphanie. Wendy, ma chérie, c'est pas bien de mentir. Mais fais-toi, la prochaine fois, je le dirai à ta maman. Elle a raison, c'est pas beau, les menteuses. Regardez, les enfants, le joli gâteau que vous ont préparé Tati Magali et Epiphanie. C'est super, on va goûter le gâteau que ta mère nous a préparé. Si tu veux, je te laisse la moitié de ma part, ok? Et en plus, tu me prêteras ton jeu électronique? Oui, bon, d'accord. Allez. Vincent, c'est vrai que tu joues super bien du piano. Oh, ben voilà, ma chérie, je préfère t'entendre parler comme ça. Ah, j'y vais. Vas-y. Ah, Marc, vous partez en voyage? Non. Je vais vous faire mes adieux. Comment ça? Vous partez? Oh, Daniel m'a mis à la porte. Daniel? Mais comment ça? Oh. J'ose à peine vous le dire. Oh, mais si, dites-le nous. Oh non, c'est tellement ridicule. Allez-y, Marc, confiez-vous à nous. Oui. Il est jaloux de ma nouvelle voiture. Ça, les filles, moi, je vais vous dire, j'adore Daniel. Mais ce qu'il a fait là, c'est inadmissible. Oui. Non, même si Marc n'est pas vraiment... Enfin, il est un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, moi, ça m'a fait de la peine de le voir assis comme ça sur sa valise comme un tout petit garçon. Ouais, et puis vous avez vu quand il nous a dit adieu, il avait même plus la force de se lever de sa valise.
Vous avez vu ce qui est arrivé à Marc? Oh, oui. Oh, quelle tuile! Lui qui était si fier de rouler dans son petit cabriolet rouge décapotable. On se retrouvait SDF, c'est... Toi, Magali, comme quoi tout est éphémère. Ah, ça donne à réfléchir. Oh, ça, qui dis-tu? Ça a dû lui faire un tel choc. Oh. Oh, mon Dieu, mon petit Marc! Oh, vous êtes au courant de ce qui lui arrive? Oui, oui, Madame Bellefeuille, merci, on est au courant. Ouais. Mais pourquoi n'est-il pas venu chez moi? S'il me l'avait dit, j'aurais préparé un petit divan dans le salon. C'est tellement gentil à vous, Madame Bellefeuille. Mais voyez-vous, maintenant, c'est trop tard. Il est parti. L'âme en peine. Bien, le pire, Madame Bellefeuille, c'est que il n'a pas laissé d'adresse. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi? Salut, les filles. Bonjour, Joanne. Bonjour, Madame Bellefeuille. Salut, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour, Daniel. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Écoute, Daniel, moi, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu as fait à Marc, c'est inhumain. Ah oui, mais... qu'est-ce que j'ai fait à Marc? Le mettre comme ça, à la porte de chez vous, c'est extrêmement méchant, Daniel. Oui, mais... Mais on est au courant, c'est à propos de la voiture, c'est ça? Oui, mais... Daniel, oui. C'est très vilain d'être jaloux. Je sais bien que Marc est beaucoup plus beau que vous. Mais c'est tout de même un de vos amis. Et maintenant, Marc, il va dormir où? Sous un pont ou dans la rue, peut-être? T'y as pensé à ça, Daniel? T'y as pensé? Allez, venez, madame. Ah, ça y est, Daniel. Je l'ai faite, laver. Elle est sublime. Mais vous êtes réconciliés, tous les deux? Ah, bien sûr. Quand je suis sorti de chez vous, Daniel m'attendait dans ma voiture. Alors bon, il s'est excusé. Vous me connaissez, je lui ai pardonné. Grand seigneur. C'était très gentil de ta part, Marc. Mais alors, les garçons, vous n'êtes plus fâchés? Ah non, on est réconciliés. Tu sais, Gérard, Daniel et moi, on est inséparables. Oh, Marc, mon petit Marc, je suis tellement contente pour vous. Et puis alors, je voulais vous dire, pour les 50 000 francs que je vous ai prêtés, oui. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout le temps que vous voulez pour me les rembourser. Moi, je verrai avec mon comptable. Le hardtop arrive la semaine prochaine. Il paraît un peu cher, mais alors, sublime, hein, sublime.